Voilà aujourd'hui pour une toute nouvelle masterclass sur le sujet, le fameux sujet de la BDESE. Donc ensemble, on va voir les tréfonds de cet outil. Surtout, on va aussi pouvoir discuter d'un plan d'action et d'une mise en place de la BDESE sans angoisse. C'est vraiment l'objectif, en tout cas aujourd'hui, de cette masterclass. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me faire un petit coucou, à nous faire un petit coucou, parce que j'ai deux invités qui attendent dans le studio gentiment. Donc voilà, dites-nous un petit coucou, parce qu'il y a toujours sur LinkedIn une petite latence de démarrage. Si vous êtes bien connecté, en tout cas sur la masterclass, et sans plus attendre, en tout cas, on va commencer en tout cas à accueillir nos deux invités. Donc, je vais déjà présenter Nicolas. Nicolas, coucou, directeur commercial en tout cas de Quick MS. On discutera en tout cas tout à l'heure de ta présentation. Tu vas nous raconter un petit peu qui tu es. Et on a Lina qui est RRH, en tout cas, aussi de Quick MS. Et toi aussi, tu vas nous raconter ton parcours avec la BDESE. Et je pense, voilà, Géraldine est là, donc c'est bon. On est en tout cas en live, ça fonctionne. Et donc, on va sans plus attendre discuter de cette BDESE. Notre objectif aujourd'hui avec Lina et Nicolas, c'est 4 étapes pour une BDESE sans angoisse. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux à y aller? Oui. On y va. Voilà, on y va. Rapidement, donc si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous rencontrez en tout cas, voilà, vous venez en tout cas de passer le seuil des 50 salariés et que la BDESE est pour vous un mystère. Donc l'objectif aujourd'hui, notre mission, c'est vraiment de débloquer un plan d'action clair pour sortir votre BDESE dans les prochaines semaines, parce que en effet, c'est le sujet en tout cas du moment. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas forcément de données fiables et vous avez peur de faire des erreurs humaines. Donc là, l'objectif, c'est aussi de comprendre la BDESE et les différentes informations à partager à votre CSE. Il y en a pas mal, croyez-moi, à partager. Et on a enfin, si vous êtes là, c'est que vous vous sentez un peu seul, vous n'avez pas forcément le temps de gérer une quantité importante de données. Et donc, l'objectif aussi, c'est de trouver les bons outils vous permettant en tout cas de soulager votre charge mentale. Bon, ça nous fait un sacré planning là en face de nous. On est ensemble, voilà, pour les 40-45 prochaines minutes. Donc, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, même les questions techniques, puisqu'on a Nicolas qui est là avec nous. Donc, on a la chance aussi de t'avoir pour de potentiellement aussi débloquer des situations. Donc, rapidement, donc moi, vous me connaissez. Donc, moi, c'est Maud. Je suis, voilà, anciennement responsable RH et recruteuse depuis plus de 2 ans. Je suis aujourd'hui, donc, cofondatrice du Temple RH. Le Temple RH, voilà, c'est un centre de formation pour les professionnels RH. Et donc, j'ai vraiment l'honneur d'animer cette masterclass, donc, avec Nicolas. Mais écoute, Nicolas, je te présente. Qui oui. Ben, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Nicolas. J'ai rejoint Quick MS il y a 4 ans en tant que directeur commercial et marketing. Voilà, donc ça fait 4 ans que je prêche la bonne parole auprès de nos clients et prospects sur comment mettre en place une BDESE, quel outil utiliser, idéalement le nôtre, mais il y a plein d'outils sur le marché qui existent, quel est le contenu, à quoi il faut faire attention. Si ça peut vous rassurer, moi quand je suis rentré il y a 4 ans chez Quick MS, alors même si j'ai une expérience de pas mal d'années de vente de solutions digitales, je ne connaissais rien à la BDESE. Sans être un expert aujourd'hui, je connais quand même assez bien les fondements et les process pour mettre en place. Donc, c'est faisable et très largement faisable, vous allez le voir. Bon, bah top. En tout cas, c'est génial de t'avoir avec nous. Et on a Lina. Donc, Lina, toi, tu es RRH chez Quick MS et je crois que tu t'es mordu les dents sur la BDESE. Oui, alors donc ça va faire 2 ans que je suis chez Quick MS et j'occupe le poste de responsable RH. Et donc, effectivement, j'ai effectué quelques BDESE, notamment pour des sociétés, enfin grands groupes, en tout cas pour les établissements de grands groupes, et je me suis pas mal mordu les doigts. Mmh. Et donc, en fait, l'objectif aussi, c'est que tu nous racontes un peu, bah, toi, ton parcours en tant que responsable RH. Est-ce que tu nous en dirais un petit peu plus sur comment tu as vécu dans les entreprises
entreprises dans lesquelles tu as eu, notamment dans des grands groupes, jusqu'à aujourd'hui. Alors, à l'époque où je devais établir la BDSE, c'était à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça non plus, en fait, j'avais deux rapports à fournir pour les CSE. Donc, l'un était pour un établissement de 90 personnes et l'autre pour une entité d'environ 400 personnes. En moyenne, on va dire que pour une BDSE de 90 personnes, ça me prenait à peu près 3 semaines en étant vraiment focus sur ça du matin au soir. Et pour un périmètre de 400 personnes, on était plus au-delà des 2 mois. Voilà, gros cauchemar parce qu'en fait, déjà, je n'avais pas autant d'outils qu'aujourd'hui pour exporter les données. Et même quand on exporte les données, on se retrouve forcément à devoir les retravailler pour pouvoir piloter après les éléments et les indicateurs qu'il faut mettre dans la BDSE. Gros cauchemar aussi, c'était notamment avec la direction et le CSE à qui vous devez présenter la BDSE qui souvent arrivait sans avoir lu le document et donc il faut se préparer, il faut avoir les réponses à tout. On n'a pas toujours les réponses à tout, très compliqué et aussi grosse peur de faire des erreurs humaines, bien évidemment. Quand c'est nous qui faisons la BDSE à la main, pour faire les calculs des indicateurs à la main, il faut vérifier que la qualité des données soit fiable et ça, on n'est jamais sûr de rien. Donc pour situer un peu le quotidien de l'équipe RH pendant cette période-là, on commençait très tôt le matin, on était très tard le soir parce qu'en plus de la BDSE, on avait le quotidien RH de nos journées qui, lui, ne changeait pas. Surtout que la BDSE, généralement, faut la sortir le premier trimestre de l'année, et c'est là où les RH sont très chargés. Ça faisait des nuits très courtes et des journées très très longues. Voilà. Aïe, aïe, aïe. En plus, j'imagine que tu utilisais Excel, donc ça ne devait pas être non plus très pratique. Mais restez avec nous, parce que quand même, QuickMS vous a préparé quand même un fichier Excel récapitulatif qu'on vous partagera donc en fin de masterclass. Et surtout, on a quand même Nicolas qui va nous faire un démo de l'outil QuickMS pour ceux et celles qui veulent vraiment voir à quoi ça fonctionne et comment automatiser en tout cas cette BDSE, notamment donc avec l'outil graphique. Donc toi maintenant aujourd'hui tu es responsable des RH chez QuickMS, donc tu as la chance d'avoir cet outil et donc ça t'a énormément aidé, c'est ça, pour gagner du temps notamment. J'ai l'impression que c'était difficile avant graphique. Alors c'est un gros gain de temps. Alors il faut toujours bien évidemment fiabiliser les données en amont, mais c'est un gros gain de temps. À l'époque, je pense que si jamais j'avais eu l'outil graphique, au lieu d'être focus 2 mois sur la BDESE, et donc 90% du temps, entre 80 et 90% du temps, consistait vraiment à faire les calculs, fournir les données de la BDESE et en fait faire parler les données, je pense qu'on aurait passé beaucoup moins de temps là-dessus. On se serait peut-être focus sur 20-30% du temps sur la donnée et le contenu de la BDSE. Et après, le reste du temps à préparer la présentation au CSE, anticiper bien les questions et définir une stratégie de réponse avec la direction. Donc, ça aurait été beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable aussi, je pense, beaucoup plus rassurant. Et ça nous aurait évité des quelques insomnies pendant 2 mois. Bon, écoute, on va aller dans le vif du sujet. De toute façon, maintenant, on va un peu détailler la BDSE, qu'est-ce que c'est, les indicateurs. Nicolas va nous présenter aussi les données, les différents blocs de données. Donc, restez bien avec nous. Accrochez-vous, puisque c'est quand même un sujet qui est très technique. Il est important de bien comprendre les différents éléments. Donc, aujourd'hui, le programme, comme je vous en ai fait parler, donc c'est ce qu'on va voir en tout cas aujourd'hui. Donc, la première partie de ce live, c'est vraiment de comprendre de cette masterclass pourquoi la BDSE est essentielle pour la conformité légale de son entreprise. En fait, la BDSE, clairement, c'est une obligation légale, n'est-ce pas, Nicolas? On ne peut pas y trépasser. Donc, quand on a en effet plus de 50 salariés, c'est un indicateur, c'est un centraliseur d'informations
confidentiel qui porte sur la vie sociale, économique et financière de l'entreprise et maintenant environnementale. Et donc, ça facilite ce dialogue entre la direction et les employés avec cette base de données. Souvent, bien souvent, Lina, c'est les départements RH qui en ont la responsabilité avec le département finance. Est-ce que vous voulez rajouter un peu des choses sur la définition de la B2SE? Enfin, c'est assez clair de toute façon. Et de toute façon, on va revenir. Non, c'est très clair. Effectivement, c'est une obligation légale. On y reviendra après. Hein. Il y a un certain nombre de conditions. Traditionnellement, c'est le département ressources humaines, effectivement, dont la mission, à qui on a donné la mission, en tout cas, de réaliser la B2SE. J'ai envie de dire, ça dépend de la structure des sociétés. Selon la taille, on a dans certaines sociétés aussi un ou plusieurs responsables des relations sociales. Dans ce cas-là, quand les sociétés ont la chance d'avoir un responsable de relations sociales, c'est plutôt cette fonction qui prend en charge la gestion de la B2SE. Et dans beaucoup de sociétés, le responsable de relations sociales dépend du département juridique et pas tellement du département RH. Voilà. Mais néanmoins, la problématique reste la même. Il y a une personne dans une société qui est responsable de la centralisation, de la réalisation de la publication de la B2SE. Et généralement, c'est le RH. Juste que certaines données sont côté finance. Et donc, les RH vont demander les données à la finance. Mais le point central où se regroupent toutes les données, c'est bien les RH. Ouais, c'est des RH qui doivent centraliser en tout cas toutes les informations. Et c'est finalement pas un sujet nouveau, la B2SE. Donc ça peut arriver sur la table des RH parce que c'est vrai, à l'école, on nous en parle pas beaucoup de cette B2SE. On découvre sur le terrain qu'est-ce que c'est. Et souvent, on n'est pas forcément aussi au courant de toutes les informations. Donc ça peut être aussi le département légal, en effet juridique, qui va nous dire attention, il y a la B2SE en tout cas à faire. Mais c'est pas un sujet nouveau. Ça date de 2013. Il y a plusieurs accords en tout cas et ordonnances qui ont rythmé en tout cas aujourd'hui la B2SE qu'on la connaît, avec notamment une dernière évolution le 25 août 2021 où la B2S est devenue la BDESE comme on la connaît en tout cas aujourd'hui. Et donc, comme on en a un petit peu discuté, donc elle sert notamment à renseigner les données. Donc là, on peut voir en effet la partie graphique l'outil graphique notamment. Je vois pourquoi vous avez trouvé ce nom-là. Et donc, en effet, c'est l'employeur qui a la responsabilité de la concevoir, de la développer, de la mettre en œuvre et de diffuser en tout cas les informations aux représentants, notamment du personnel. Et donc, comme on en a parlé, donc c'est le responsable RH qui est bien souvent mis à contribution sur notamment la BDESE chaque année, une fois par an. Donc, c'est vrai que c'est un gros sujet, comme tu en as parlé, Lina, en fin d'année, en plus des entretiens annuels. Et donc, elle est diffusée aux directions, aux délégués, aux membres du CSE, aux services financiers, aux services RH. Est-ce qu'elle est aussi diffusée aux salariés ou pas du tout? Non, normalement, non. Elle est. Alors, c'est un document confidentiel déjà, il faut le savoir, puisque on le verra après, mais l'employeur partage des documents confidentiels à destination évidemment de la direction et des élus. Et ça reste normalement exclusivement dans ce cadre restreint. Après, rien n'empêche un employeur de décider de communiquer l'ensemble des informations à l'ensemble des salariés, d'avoir une totale transparence, mais normalement, c'est une diffusion restreinte, direction, élus. Très clair. Donc c'est vraiment un pilier fondamental. Donc on a en effet, c'est une obligation, c'est un outil obligatoire en tout cas pour les entreprises de plus de 50 salariés ayant un CSE. Donc ça c'est important, hein. C'est-à-dire que les salariés qui ont plus de 50 salariés qui n'ont pas de CSE ne sont pas obligatoires, mais c'est quand même se poser des questions parce que le CSE est obligatoire à 11 salariés. Donc là il faut faire attention à vos juridictions. Et en cas de non-respect, en effet, donc il y a des pénalités. Et donc là, on va y venir. Donc les obligations, supérieures à 50 salariés avec CSE, il faut une disposition permanente, notamment auprès des représentants du personnel. On doit avoir notamment l'année N+2 et les projections N+3. Donc c'est un sacré travail de mise à jour. Et on doit aussi fournir donc une version numérique, notamment PDF, en tout cas la BDESE. L'impact d'une non-conformité. Donc, en fait, financièrement,
C'est pas très cher, hein, Lina, si on fait pas la BDSE, puisque c'est 7 500 € pour un premier manquement à cette obligation. Mais par contre, en cas de récidive, ça peut coûter cher, 75 000 €, et ça peut aussi, pour l'employeur, voilà, avoir des conséquences pénales plus fortes, comme un délit d'entrave qui peut être lié notamment au CSE. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Lina, de ces pénalités? Et j'en pense que, comme ça, sur le papier, effectivement, ça peut paraître pas cher, mais les problèmes avec le CSE, c'est toujours très, très cher payé. Donc, je conseille aux gens de faire la BDESE. Exactement. En fait, ça, on pourrait avoir envie, en tant qu'employeur, de se dire, oula, c'est un gros travail, c'est un gros chantier, on le fait pas, mais on peut bien donner ce caractère bien obligatoire, légal. Donc, si demain, qu'est-ce qu'on risquerait, Nicolas, par exemple, si demain on a un contrôle, il n'y a pas la BDSE, qu'est-ce qui se passe? Y a voilà, délit d'entrave, on le voit, hein, y a les sanctions qui sont affichées à l'écran sont des amendes, hein, sont essentiellement des amendes. Mais le plus important, c'est ce que disait Lina, je pense, c'est les relations avec les élus. En général, le contrôle, ils se sont faits de façon, soit c'est un contrôle aléatoire et l'inspection du travail vient de façon aléatoire, soit c'est sur dénonciation. Si c'est sur dénonciation, c'est que déjà les relations avec les élus sont pas au beau fixe, si en plus la BDSE n'est pas présente. C'est surtout les relations avec vos élus qui sont les plus problématiques plutôt que cette amende de 7 500 €. Bien que, oui, si je peux me permettre, vous dites que c'est pas beaucoup, selon la taille des entreprises, 7 500 €, ça peut être énorme. Et je le mets surtout en parallèle avec le temps qu'on va passer à faire une BDSE. Si vous faites à la main, Lina le disait, selon la structure, entre 3 semaines et 2 mois par an, à mettre en parallèle ce temps investi avec les minimums de 7 500 € d'amende, je pense que le calcul est vite fait. Il vaut mieux investir ces 3 à 1 mois et demi de temps que de payer 7 500 € d'amende et d'avoir des mauvaises relations avec son CSE. Donc, n'essayez pas de passer outre cette obligation légale. Donc là, on va rentrer un petit peu plus vraiment dans le vif du sujet, Nicolas. C'est vraiment comprendre vraiment la structure de la BDSE, parce qu'il y a beaucoup d'indicateurs, beaucoup de calculs. Et toi aussi, Lina, tu vas pouvoir nous donner quelques conseils, puisque je pense que tu as dû bien penser, en tout cas, ce sujet-là. Et donc de comprendre en fait les différents blocs. Donc en fait, il y a 3 blocs de données, les données économiques, les données sociales et les données environnementales. Et donc pour chacune des données, donc il y a des liens. Donc on va avoir notamment les investissements de l'entreprise, l'égalité professionnelle qui sont répertoriés dans les données sociales. On va avoir les fonds propres, impôts et endettement, rémunération des salariés et activités culturelles et sociales. Donc c'est aussi des données sociales. Donc il y a quand même 4 gros blocs aujourd'hui en termes de données sociales, la rémunération des financeurs, les flux financiers, les partenariats, les transferts commerciaux financiers et l'environnement. Donc comme ça, ça paraît, on va dire, 10 blocs, mais chaque 10 blocs a plein d'autres indicateurs en commun. Et donc, on va y aller progressivement et surtout dans les commentaires. Donc, on a la chance d'avoir Nicolas. N'hésitez pas à poser des questions sur des calculs, sur des incompréhensions sur la BDSE, parce que c'est vrai que parfois, ça peut être un peu compliqué de calculer notamment les indicateurs. On vous donnera aussi donc un outil qui a été réalisé par Graphic, un outil Excel pour pouvoir télécharger ce fichier Excel. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Allez, vas-y, Nicolas, je te laisse vraiment rentrer dans le sujet et nous décortiquer un petit peu ces différents indicateurs. Alors, peut-être en préambule, dire qu'effectivement, non seulement la BDSE est obligatoire, sont les conditions qu'on vient de voir, mais en plus, le législateur a défini très précisément le contenu de cette BDSE. Il y a 10 grands chapitres, on vient de les voir juste précédemment, et chaque chapitre a été détaillé avec le contenu qu'on doit mettre dans les investissements, dans les données sociales, dans les flux financiers. C'est très précis. Mais non seulement le législateur a défini le contenu, mais dans sa grande sagesse, a fait une autre chose, c'est un peu plus tard, c'est de donner la possibilité à un employeur de négocier le contenu avec ses élus. Donc, ce que moi je vais vous montrer là, c'est ce qu'a donné le cadre légal, stricto sensu, mais sachez que vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, et beaucoup d'entreprises le font, c'est de négocier le contenu avec vos élus, d'avoir un accord particulier pour définir le contenu et le mode de diffusion. Donc effectivement, il y a 3 grands blocs. Il y a les données économiques, les données sociales et les données environnementales. Les données économiques sont des données concernant l'entreprise. Pour résumer, ça concerne
une bonne partie de ce que vous allez retrouver soit dans votre liasse fiscale, soit dans votre bilan de votre compte d'exploitation. On va retrouver des éléments comme le chiffre d'affaires de votre entreprise, les résultats nets, les dettes, les investissements, les amortissements, les flux financiers, que ce soit privé ou public, donc les aides publiques que vous avez pu avoir de la part d'une instance officielle ou gouvernementale, mais aussi les financements privés d'investisseurs. Vous allez retrouver la rémunération de vos investisseurs, donc vos actionnaires, comment sont-ils rémunérés, quels dividendes ont été versés, vos impôts et taxes, vos dettes, les fonds propres. Donc c'est très 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 complet en fait. On retrouve une grosse partie des grands éléments d'un bilan comptable et d'un compte d'exploitation qui doivent obligatoirement être partagés avec vos élus. Alors moi, je me permets juste de rajouter sur ce bloc économique pour les RH ce que ça implique. Ça implique qu'en fait, il faut attendre que le pôle financier ait clôturé les comptes de l'année passée. Et en fonction de l'entreprise dans laquelle vous êtes, ça peut être plus ou moins long. Donc, si jamais vous décidez de commencer la BDESE dès le mois de janvier, je ne pense pas que ce soit faisable. Généralement, le plus tôt de la BDESE en fonction de la taille d'entreprise, vous la commencez plutôt février. Et juste avant, votre pôle financier, entre décembre et janvier, lui a fait des nuits blanches. Et donc, c'est lui qui vous donne ces données-là. Ouais. Il a raison, d'autant plus qu'en général, on disait tout à l'heure que c'était les ressources humaines qui étaient responsables de la réalisation, de la diffusion de la BDSE. Il y a des contributeurs. Les ressources humaines n'ont pas toute la donnée, ne peuvent pas tout savoir. Donc, le contributeur essentiel là, c'est la direction financière. Effectivement, il faut attendre que la direction financière ait fini de les comptes de l'année précédente. Souvent, généralement, généralement, si vous voulez commencer au plus tôt la BDESE pour anticiper, vous ne commencez pas par ce bloc. Vous prévenez la finance que vous allez avoir besoin de ces données, mais vous, dans la BDESE, vous ne commencez pas par ce bloc. Voilà. Et vous pouvez très bien commencer par la deuxième partie, qui sont donc les données sociales, où là, vous avez plus la main. Alors, on va retrouver beaucoup, beaucoup d'informations dans ces données-là. En général, accessible et maîtrisé par les services des ressources humaines et le département paye, voire selon la structure des sociétés par le contrôleur de gestion ou les contrôleurs de gestion. On va retrouver, un premier gros chapitre, c'est l'évolution des effectifs selon l'âge, l'ancienneté, le type de contrat, statut conventionnel, donc ce sont des courbes, des pyramides d'âge, des tableaux avec vos effectifs en instant T, les deux années précédentes et une projection sur les trois années à venir avec vos effectifs par tranche d'âge, par tranche d'ancienneté, par statut conventionnel. Ça, c'est le premier gros bloc. On va retrouver un deuxième gros bloc qui reprend l'intégralité quasiment de l'index égalité homme-femme que vous êtes publié, que vous publiez pardon, normalement fin février. Donc, on va retrouver l'intégralité de ce bloc avec tous les calculs. Les conditions de travail, extrêmement important, avec notamment une partie sur les accidents de travail et les conséquences de ces accidents de travail. Donc là, c'est un travail de recherche qu'il faut faire en amont. Soit vous avez un outil qui le centralise, soit vous faites cette recherche, ou vous avez un outil qui tient déjà jour, que cet outil soit Excel ou pas, avec le nombre d'accidents sur le lieu de travail qui ont eu lieu, les conséquences en termes d'arrêt de travail, d'indisponibilité, le coût de ces accidents de travail pour l'entreprise. Il y a un gros, gros volet sur la formation. Vous allez devoir détailler le nombre d'heures de formation et le budget formation et le type de formation, je reviens sur le type de formation, fait sur l'ensemble de votre entreprise, avec ensuite une répartition par catégorie socio-professionnelle, par genre, homme-femme. Et quand je dis type de formation, c'est que c'est une formation de développement de compétences, formation de reconversion. Tout ça doit être extrêmement détaillé dans la BDESE. C'est probablement ce gros bloc données sociales représente en termes de contenu et en termes de temps passé pour les RH probablement les trois quarts du temps que vous allez passer pour réaliser votre BDSE. C'est pour ça que Lina disait tout à l'heure, elle a raison, il est tout à fait possible et d'ailleurs recommandable de démarrer par cette partie-là parce que c'est la plus longue, la plus fastidieuse. Ça consiste pour vous, si vous n'avez pas d'outil qui vous permet de faire la BDSE, mais de faire des exports de tous vos outils RH ou de recenser tous les tableaux Excel que vous avez
qui répertorie les éléments hors paye. Et vous allez devoir analyser la donnée, corriger la donnée, la synthétiser, faire des éventuels croisements entre différents tableaux, avec, pour ceux qui maîtrisent Excel, des recherches V, et être sûr de ne pas faire d'erreur. C'est le gros du boulot. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Lina, mais à mon avis, ça doit être 80% du travail d'une RH qui est vraiment consacré à ça, puisque la partie financière, souvent, on va mettre à disposition le bilan comptable et le compte d'exploitation auprès des élus. Ouais, ce bloc-là, c'est un peu ce qui nous rend fous en RH, parce qu'en fait, déjà, vous avez beaucoup de données volumineuses que vous devez fiabiliser dès le départ, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en fait, prendre le tableau en disant « je dois sortir tel indicateur et donc je vais aller sortir la donnée ». Donc, en fait, il faut prendre les gros blocs, les gros sujets, donc exporter toutes les données, rémunération, etc. Et en fait, vous allez constituer donc des bases Excel que vous allez faire parler. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez 5 bases Excel. Bah, une base Excel va peut-être vous amener à donner 10 indicateurs dans la BDSE qui répondent aux obligations légales. Et donc, des fois, vous avez l'impression de faire la même chose et vous vous dites « mais pourquoi ils me demandent ça alors qu'ils m'ont demandé ça juste avant ?» Et en fait, ça rend fou parce qu'en fonction de comment vous allez retourner et faire parler la donnée, bah, en fait, vous allez vous rendre compte que des fois, je sais pas, vous arrivez au 4e indicateur et là, vous voyez qu'en fait, une donnée très précise qui vous a été demandée ou une information qui vous a été demandée, en fait, vous voyez une faute. Vous êtes au 4e indicateur, vous utilisez la même base de données. Si vous voyez cette faute de la donnée ou si vous mettez en doute la donnée, vous devez repasser les précédents indicateurs que vous avez construits à partir de cette base de données, en fait. Donc, tout le travail, il est là. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas bien fiabilisé votre donnée, à un moment donné, vu que c'est un entonnoir à l'envers, en fait, hein, vu que c'est tellement précis ce qu'on vous demande, eh ben, il y a des indicateurs qui vont contredire il y a des données qui vont contredire celles que vous avez données avant. Et donc, en fait, vous allez comprendre qu'il y a une erreur dans votre donnée, dans votre tableau de données initial, et donc vous devez tout reprendre. Et ça, franchement, c'est. C'est chaud. Voilà. Et donc là, en fait, ce qui est génial, donc là, je vous ai donné le lien pour télécharger notamment le bonnet d'Excel, c'est que on peut voir en fait, donc Nicolas, chacun et Lina, donc chacun des demandes. Donc par exemple, si on explique un petit peu comment fonctionne ce document, on va regarder donc sur la partie investissement. Donc c'est la répartition, c'est l'évolution notamment des effectifs. Et donc en fait, voilà, il y a le sous-chapitre, il y a le chapitre final. Donc tout ce qu'on va vous demander, c'est répartition des effectifs, répartition des âges. Et après, il y a des indicateurs. C'est ça qu'il va falloir en tout cas partager, notamment. C'est ça. Et donc, en fait, ton premier chapitre dans le grand 1, là, celui qui est en rouge, Maud, donc ça va être ta base de données initiales. Et donc, tu vois, comme tu dois aller donner des informations par rapport à cette base de plus en plus précise, bah, en fait, à un moment donné, si tu vois qu'il y a un indicateur qui n'est pas cohérent avec un autre que tu as sorti juste avant, eh ben, en fait, tu comprends que dans ta donnée initiale, il y a quelque chose qui n'est pas bonne. Et donc, tu dois revenir sur les précédents indicateurs pour corriger. Parce que si jamais arrivé à cet indicateur-là, c'est faux. Si tu as utilisé cette ligne pour les autres données qui t'ont été demandées, bah, ça veut dire que c'est faux. Donc, tu dois recommencer dans le bloc. C'est pour ça, mais on y reviendra peut-être après. C'est la première des étapes avant même de calculer vos indicateurs, c'est de vérifier vos données. Et c'est la douleur en fait, c'est une des douleurs les plus fortes, c'est d'avoir des données fiables. Et souvent, ce que vous me partagez aussi, c'est donc ça vient souvent donc des DNS, hein, c'est ça, qui est lié donc à la paye. Voilà, les DSN qui viennent de la paye. Et malheureusement, parfois, même ces propres données-là sont fausses. Donc, il y a vraiment un travail un peu de fourmi de reprendre un par un les salariés et de s'assurer que les données sont vraies. Est-ce que c'est ça aujourd'hui, la réalité des choses? Oui. Vas-y, Lina, je t'en prie, vas-y. Les DSN, en fait, sortent en fonction du paramétrage de paye. C'est hyper compliqué. Tous les logiciels de paye ne sont pas paramétrés de la même manière et leur paramétrage n'est pas parfait. Donc, normalement, vos DSN ne sont pas fiables à 100%. Donc, en fait, l'astuce, c'est encore un travail très compliqué à faire. Mais l'astuce, c'est que souvent, il faut aller revérifier certaines données paye, par exemple, avec le livre de paye ou avec les bulletins de paye. Donc, normalement, si vous faites des cadrages de paye mensuels avec la finance, bon, il y a certaines données, ça va tout de suite vous taper dans l'œil quand,
quand vous allez construire votre fichier de source initial. Mais si jamais vous ne faites pas de cadrage de paye mensuel ou si jamais vous n'êtes pas celui en plus qui fait les payes, puisqu'en RH, vous avez des gestionnaires de paye et vous avez ceux qui font la B2SE, il y a de fortes chances qu'il y a des informations que vous n'ayez pas vues passer et en fait, ça va être source d'erreur. Et la conséquence de cette source d'erreur, c'est quoi? C'est en CSE, à la restitution des données, de se faire un petit peu pointer par le CSE qui est parfois bon aussi sur ces sujets-là, sur ces sujets techniques, et de se dire, oula, attention, là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le risque de crédibilité. Ouais, c'est le gros risque et souvent le sujet sur lequel ils pointent le nez et ils ne se trompent pas, c'est sur la partie absence. Généralement, le taux d'absence en fonction de comment est paramétré votre logiciel de paye et comment vous allez entrer les données en paye, vous allez avoir des absences qui vont entrer dans une certaine rubrique paye. Et quand vous allez exporter les données, ça ne va pas du tout être considéré soit comme une absence maladie, absence injustifiée. Vous allez avoir des écarts. Et votre CSE qui est en contact avec les collaborateurs et qui généralement suit beaucoup tout ce qui est accident de trajet, accident maladie, enfin accident de travail, etc., et ben généralement, par expérience, c'est le sujet sur lequel il est plus dur parce que il considère aussi que la responsabilité de l'employeur, c'est de protéger ses collaborateurs et donc il y a les questions de QVT, bien-être au travail, sécurité, etc. Et généralement, c'est sur ce sujet-là où eux, ils ont des chiffres de leur côté parce qu'ils demandent des chiffres en réunion CSE. Et à la fin de l'année, il y a des décalages. Donc attention aux données absence et parfois en effet si on n'a pas un bon système, une bonne digitalisation de CRH, peut y avoir en effet des données erronées et donc il faut faire attention. Ok. Pour les données environnementales, donc ça concerne un petit peu moins les RH, qui s'occupe des données environnementales, Nicolas, aujourd'hui, c'est le RSE, c'est ça? Ça dépend énormément vraiment de la structure de l'entreprise, de la taille. Toutes les entreprises n'ont pas un responsable RSE. S'il n'y en a pas, dans 90% des cas, Lina ne va pas me contredire, c'est le RH qui s'en occupe. ou alors c'est le responsable RSE, ça dépend vraiment de la structure, mais en général, c'est souvent le RH. Et en plus, on demande quand même des choses très très précises là-dedans. C'est que le législateur va demander, par exemple, la consommation d'eau au mètre cube sur l'année précédente. Ce qui n'est pas forcément facile à obtenir. La consommation d'énergie en kilowattheure, les émissions de CO2 en tonnes, les principaux postes d'émissions de CO2. Qu'est-ce qui a été prévu pour limiter, réduire ces émissions de CO2? Quelle est la politique générale de l'entreprise en termes de limitation des émissions de gaz à effet de serre ou, d'une façon générale, sur les impacts de l'entreprise sur le changement climatique? Donc, c'est vertueux, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est parfois pas toujours facile à obtenir comme information. Là, c'est il faut être Sherlock Holmes. Il faut aller genre aux services généraux, aller trouver les bons fournisseurs. Donc là, c'est un travail d'enquête pour les RH. Et là, Lina, tu dis aujourd'hui, c'est vrai que les RH sont parfois parachutés sur des postes de Sustainability Manager ou de RSE Manager. Donc, on est en plus cette brique accrochée à notre arc. Donc, ça, au RH, d'aller chercher ces informations-là. Oui. Surtout que la plupart du temps, on vous dit, on ne sait pas. Donc, il faut… comment tu fais? Après, RH, normalement, tu connais bien tes pôles, tu connais bien ta population. Donc, tu dis, bon, électricité, c'est services généraux. Il faut aller chercher la facture, c'est à la finance. C'est un gros travail d'enquête. Par expérience, vous vous baladez beaucoup dans les locaux. Et normalement, c'est là où vous parlez à le plus de monde. Vous faites connaissance avec des gens aussi que vous n'avez jamais vus aussi dans les grands groupes. Donc, c'est plutôt drôle. Mais c'est de l'enquête, quoi. C'est de l'enquête. Ok. Ça prend combien de temps à peu près pour toi, cette partie, cette brique-là? Sincèrement, moins que la finance. C'est sûr, moins que le premier bloc. Et moins que les deux premiers blocs, mais plus que beaucoup plus que le bloc finance. Oui, parce que le bloc finance, logiquement, le département, tout est carré. Ils ont toutes les informations. En fait, ce bloc-là, c'est très simple. Soit tout est centralisé entre la finance et les services généraux. Et dans ces cas-là, vous avez deux interlocuteurs. Soit, en fait, c'est réparti partout.
surtout dans les petites structures. Et donc, vous avez plusieurs interlocuteurs et là, c'est plus compliqué. Moi, ça m'est déjà arrivé de contacter directement les fournisseurs quand on ne savait pas me répondre. Ouais. Ok. Très clair. Donc maintenant, on va passer, donc au plan d'action. Donc c'est ça aussi qui nous intéresse. Donc il y a l'obligation légale, il y a le contenu à donner et on peut pas. On peut pas supprimer, en effet, un bloc ou supprimer une partie des données. On doit tout apporter et donc, c'est d'avoir un plan d'action clair. Et donc là, il y a quatre étapes à suivre. Donc, l'objectif, c'est d'abord de définir une trame. Donc là, en téléchargeant le modèle, notamment, qu'on vous a partagé, ça peut vous permettre d'avoir une première trame Excel sur laquelle, en tout cas, reposer et poser vos données. On va avoir l'identification et la collection des données. Donc, c'est ce que tu partageais, Nicolas, que c'était vraiment important avant de commencer vos calculs, de bien s'assurer de la fiabilité des données. Lina, tu nous disais aussi tout à l'heure, c'est le problème, c'est que si vous avez une donnée fausse, ça va fausser d'autres indicateurs. Et donc, ça, c'est vraiment une partie, je dirais, peut-être la plus essentielle. Pour en tout cas la BDSC, c'est de la troisième étape de plutôt de se référencer, voilà, avoir notamment des référents locaux si vous avez notamment plusieurs CSE, et enfin c'est de diffuser votre BDSE à tout le monde. Donc ça prend un mois minimum à trois mois, donc c'est quand même un sacré chantier. C'est quoi la date limite sur la BDSE? Le législateur des entreprises. Le législateur dit que la BDSE doit être en permanence disponible des élus et le socle des discussions lors des trois consultations obligatoires. Donc, à minima, lors de la première consultation de l'année, en général au mois de mars, elle doit être prête et disponible. Après, ça m'est déjà arrivé de respecter les délais du mois de mars, mais que ça rentre vraiment en discussion qu'au mois d'avril. Après, il faut être pragmatique. Il y a beaucoup d'entreprises et c'est énorme. Enfin, c'est compliqué hein, de mettre en place ça parce qu'il y a des éléments complémentaires. Lina a parlé de son enquête de Sherlock Holmes pour retrouver sa consommation d'eau au mètre cube. Les élus comprennent ça aussi. Donc, on peut aussi dire, je vais déjà mettre à disposition une première partie que j'ai déjà fait. Je sais pas, la partie sociale qui objectivement est probablement le cœur du dispositif hein, et les intéresse le plus. Et on fera dans un deuxième temps, quand la finance nous aura délivré le bilan comptable définitif, on mettra à disposition les éléments financiers, puis dans un troisième temps, les éléments environnementaux. Il peut y avoir ce type de discussion avec les élus aussi. Les gens sont. Enfin, il faut être pragmatique. Il y a ce gros bloc, mais on définit la trame, et ça, c'est vachement important pour moi, c'est la première étape, c'est discuter avec vos élus pour savoir ce que vous leur mettez à disposition. En étant pragmatique, il y a peut-être des choses que vous n'arriverez pas à obtenir parce que c'est trop compliqué pour vous. Vous leur dites clairement, je ne pourrai pas avoir cette partie-là. Et vous en discutez, vous vous mettez d'accord sur le contenu. Une fois que ça c'est fait, après, vous dites, voilà le timing dans lequel on va le déployer. En général, on est compréhensif là-dessus. Donc, en fait, l'objectif, là, ce que tu dis, Nicolas, c'est ne partez pas, en fait, dans votre direction tout seul. C'est en amont. Ouais. Faites potentiellement une réunion avec le CSE pour commencer ce sujet de la BDSE et ensemble de déterminer pour qu'une meilleure compréhension après sur la suite des étapes. Avoir cette discussion avec eux, c'est aussi la capacité à savoir ce sur quoi ils vous attendent le plus en fait. Qu'est-ce qui les intéresse le plus dans la BDSE? Et donc, en fait, il y a peut-être des données que vous n'allez pas du tout avoir à donner et ça vous fera du travail en moins. Et vous saurez ce sur quoi vous devez être impérativement vigilant et en fait revérifier entre vous les données. Parce que finalement, le contrôle se fait principalement par le CSE, en fait. C'est ça. Et si le CSE est content, logiquement, on ne devrait pas avoir de pénalité ou autre sur cette obligation légale de la BDSE. Tu ne peux pas dire que le contrôle vient de la part du CSE, je dirais. Okay. Par contre, est-ce que le CSE va être satisfait des données que tu vas lui donner ou est-ce qu'il va considérer que tu as été honnête et que considérer que les données que tu lui donnes sont fiables, ça c'est autre chose. Mais à partir du moment où tu fournis la BDSE, c'est pas lui qui contrôle. Par contre, il peut venir te dire je suis pas d'accord avec ces chiffres, il peut venir te contredire en fonction de lui des données qu'il a de son côté. Et dans ces cas-là, il faut répondre. Très clair. Parfait.
On a aussi, vous avez préparé aussi donc les 10 commandements de la BDSE. Donc, je pense que ça va te parler, Lina. Rester calme en toutes circonstances. Bon, ça, c'est un peu le métier RH, en fait. Il faut qu'on reste calme. Définir les éléments de contenu de la BDSE à l'aide du TRAM. Donc, ça, c'est validé, en tout cas, avec la trame de QuickMS, c'est fait. Valider ces éléments avec le CSE. Donc, ça, on en a discuté. Identifier les sources de données. Donc, ça, c'est vraiment crucial et essentiel de ne pas partir dans vos calculs avant cette identification de sources de données. Extraire et contrôler la qualité des données. Travailler les données. Donc, ça, il y a vraiment voilà, un travail. Rester toujours calme. No stress. C'est vrai que les données en RH, Lina, ce n'est pas forcément notre fort. On vient plutôt d'économie sociale, mais pas trop des matheux ou des matheuses. Mais en fait, logiquement, quand on se fait bien accompagner, quand en effet, on creuse ce sujet-là, les indicateurs, on les connaît. Logiquement, on les a déjà calculés. On est d'accord, ce n'est pas nouveau pour nous. Oui, oui. Si vous avez un bon logiciel de paye, il y a déjà des données. Que vous pouvez aller chercher ou remettre en cause. Est-ce que le calcul que vous avez fait est conforme à ce que vous sort le logiciel de paye ? Voilà. OK. Nommer des référents locaux en cas de CSE multiple. Contrôler la BDSE avant diffusion au CSE. Diffuser la BDSE aux bonnes personnes au bon moment. Et logiquement, en 3 mois, c'est ça, on a fini. Mais on peut aller plus vite. C'est aussi ça, ce qu'on va aussi voir tout à l'heure. C'est aussi la partie outils. Donc, les défis, c'est la centralisation des données, la segmentation, la multiplicité des contributeurs, la confidentialité des données, la diffusion ciblée. Donc, ça, c'est un petit peu les défis qu'on va rencontrer. Donc, en matière RH, ça va, la BDEC nous aider pour le dialogue social. Donc, c'est positif, la BDSE, puisqu'on va notamment donner accès à des informations statistiques, ainsi que la situation financière de l'entreprise. Et donc, ça permet en tout cas d'ouvrir le dialogue et aussi la transparence. Donc, en fait, beaucoup d'informations sont consignées dans la BDSE. Et donc, ça donne de la visibilité aux représentants du personnel. Et eux ont le droit aussi derrière de partager ces informations. On est d'accord, Nicolas et Lina. Si le CSE a envie de partager des données aux salariés, c'est tout à fait possible. Ils sont dans leurs droits. Oui, alors après ça dépend quel type de données et comment ils la communiquent, mais généralement, souvent c'est les données notamment quand on fait les indicateurs autour de l'effectif, pyramide des âges, etc., on voit si la population est vieillissante et donc est-ce que va pas y avoir des départs en retraite, et donc les questions qui sont posées c'est est-ce que va y avoir des remplacements, est-ce que va y avoir des campagnes de promotion interne, des recrutements, etc. Donc ces données-là généralement sont partagées aux collaborateurs, comme ça ça permet aussi déjà au RH d'anticiper les potentiels souhaits de mobilité interne ou plan de recrutement, etc. Donc, voilà. Très clair. Bon, ben voilà, donc là, on se dit, bon, ben, on est prêt, mais il y a une façon plus rapide, avec notamment un super outil. Donc, en fait, aujourd'hui, vous avez 2 choix. Soit vous essayez de commencer, d'essayer de votre côté, vous allez prendre plus de temps. Soit on prend un raccourci et notamment, on le fait ensemble, c'est-à-dire avec un outil, notamment de QuickMS. Et on a la chance d'avoir Nicolas qui va nous faire rapidement une démo de l'outil. Donc, aujourd'hui, les RH, il faut savoir que on passe, 50% des RH déclarent que leur principale difficulté, c'est le manque de temps et de ressources. On passe entre 3 et 6 heures de notre temps en tâches administratives tous les jours. Donc, je pense que si on peut déléguer une mission telle que la BDSE, ça nous soulage. Non, Lina, tu es d'accord avec moi? Ah oui, clairement. Surtout que les RH n'aiment pas trop la partie admin. Donc, voilà. Donc, l'objectif de graphique, c'est garantir la conformité légale, le gain de temps, fiabilité de vos données, diffusion maîtrisée, sécurité, l'automatisation de la BDSE, l'intégration de données simplifiées. Bon, ben moi, je me dis, je signe où, Nicolas, je signe où. Donc, tu nous montres un petit peu comment ça fonctionne, puisqu'on arrive sur la fin. Ouais. Oui, alors je vais faire rapidement, en 3-4 minutes, rapidement. Voilà. Alors déjà, le principe de la solution, c'est un logiciel en mode SaaS, donc vous connectez n'importe quel navigateur. Et on se base sur vos données à CRH. On va d'abord intégrer vos DSN, on en a parlé tout à l'heure. Et l'intégration de ces DSN va vous automatiser environ 70% du contenu de votre BDSE. On va le compléter par des données d'autres SIRH ou d'autres sources. On a parlé des éléments de la formation tout à l'heure sur les entretiens. Donc on peut tout intégrer. Donc ouais, vous avez tout intégrer de n'importe quelle base de données, de la paye, de la formation, de l'accidentologie, etc. Une fois qu'on a fait ça,
On a fait les 80% les plus difficiles, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, ce sont les données sociales. Et en intégrant ces bases, et c'est très simple d'intégrer ces bases, hein, je vais chercher mon fichier, j'ouvre, j'intègre, je ne vais pas le faire là parce que ce n'est pas une DSN, et on va automatiser 80% du contenu de votre BDSE déjà avec ces fichiers intégrés. Hein, donc, ce sont toutes les données sociales. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir intégrer les données complémentaires. On l'a dit tout à l'heure, il y a la partie financière où vous pouvez tout simplement intégrer votre bilan comptable, votre compte de résultat en PDF dans l'application et ça va être accessible à vos élus. La partie environnementale, vous allez pouvoir l'intégrer également soit en PDF, soit en remplissant des champs. Et ça va calculer automatiquement l'intégralité des indicateurs déjà mis à disposition dans l'application. Il faut savoir que dans cette application, vous allez retrouver la trame strictement légale de votre BDSE avec tous les chapitres et sous-chapitres nécessaires et tous les indicateurs déjà intégrés et précalculés. Un petit menu interactif, je vais sur l'indicateur travailleur externe, nombre de salariés temporaires, nombre de journées de travail, embauche des CDD par motif de recours, tout ça sont autant d'indicateurs obligatoires dans la BDSE. Nous avons qui sont automatiquement calculés. C'est automatiquement calculé à partir des données de paye et des fichiers complémentaires. C'est magique, Lina, c'est clair. Donc, on intègre, on calcule automatiquement. On a parlé de la correction des données tout à l'heure, de la fiabilité des données. On fait une première étape avec vous, si jamais on travaille ensemble, bien sûr, c'est de corriger vos données. On l'a dit, hein, tout à l'heure, la DSN, c'est un bel outil, mais il y a des erreurs. Je vous le dis tout de suite, vous avez des erreurs en DSN, c'est normal. Enfin non, c'est pas normal, mais c'est comme ça. C'est un état de fait, donc on va d'abord vous accompagner pour corriger vos erreurs, ensuite intégrer des données fiables, et vous intégrez vos données fiables, 80% est automatisé. Les 20% restants, je vous ai dit, soit vous intégrez des fichiers PDF déjà mis en forme, par exemple, votre organigramme, qui est un élément obligatoire dans la BDSE, vos élus vont pouvoir voir l'organigramme directement comme ça, comme vous voyez là, soit on vous met à disposition des écrans de saisie complémentaires, où vous allez saisir les éléments complémentaires, comme par exemple votre chiffre d'affaires, le résultat net, etc., etc. Et ça va alimenter automatiquement la trame qu'on vous met à disposition. Et après, cette trame digitale, on peut l'envoyer comme ça au CSE. On doit quand même ensuite, préparer. Cette trame digitale, vous allez créer un accès à vos membres, à vos élus. Chaque élu aura son propre accès à l'application et n'accédera qu'à la BDSE en lecture seule et pourra naviguer dedans, soit en scrollant, soit avec ce menu interactif qui lui permet d'aller directement à la section qui l'intéresse et pourra la consulter. Il aura à chaque fois la définition, le mode de calcul de l'indicateur. On l'a vu tout à l'heure, il y a des indicateurs qui sont calculés. Ce n'est pas toujours facile, encore moins pour un élu. Donc, on lui donne la compréhension. Voilà comment a été calculé l'indicateur. Voilà ce qu'il représente pour que ça évitera des questions posées. Et vous, en tant qu'RH, vous aurez la possibilité de suivre et piloter et de voir quel élu s'est connecté quand à l'application et a affiché le document. Alors, pourquoi on fait ça? C'est notamment pour vous garantir que, et c'est une de vos obligations, que la BDSE est bien accessible à tous les élus et que chaque élu a bien accès à l'application. Donc pour résumer, un abonnement annuel, vous intégrez vos bases de données, DSN et éléments complémentaires, avec ça, un minimum 80% est auto-automatisé. On aura corrigé en amont les données. Et ensuite, vous suivez notre plan pour intégrer les éléments complémentaires, soit avec des fichiers Excel, des fichiers PDF déjà mis en forme, votre bilan comptable par exemple, soit en suivant les indicateurs de saisie que je vous ai montré tout à l'heure, pour par exemple saisir le nombre d'accidents que vous avez eu et le nombre d'arrêts suite à ces accidents. Et ça va alimenter automatiquement la trame légale déjà mise à disposition. Bon bah c'est top, j'avoue que le avant-après est assez puissant. J'aurais beaucoup aimé avoir cet outil quand j'étais RH pour m'éviter parfois des prises de tête avec la donnée. En tout cas, merci à tous les deux. C'est un sujet qui est assez technique, mais qui donne beaucoup quand même de charge mentale sur le dos de RH. Donc, c'est sûr, si on peut déléguer de façon fiable et optimale sa BDSE, ben, autant le faire. Je ne sais pas si vous avez envie de partager un mot de la fin sur ce sujet-là avant de partir manger. Si vous n'avez pas d'outils comme graphique, je vous souhaite bonne chance pour la BDSE. Les RH, je pense très fort à vous. Je vais penser très fort à vous. Ok. Et moi, pour terminer, voilà, vous pouvez tester la solution, n'hésitez pas. Honnêtement, je préfère vous la tester. Si elle ne vous convient pas, ce n'est pas de souci, mais
C'est intéressant de la tester pour voir, c'est évidemment sans engagement et c'est gratuit, pour voir si elle correspond à votre besoin et si elle peut vous aider à faire gagner du temps, parce que c'est un peu notre promesse. On vous fait gagner du temps et on fiabilise vos données. Bon, bah parfait. En tout cas, on enverra à tous les RH, en tout cas, qui font partie de la communauté, cette possibilité. Merci à vous et à tout le monde de nous avoir écoutés. C'est vrai qu'on n'avait pas eu beaucoup de commentaires, mais c'est peut-être le sujet niche sur ce sujet-là. Mais j'étais ravie, en tout cas, de parler, de décortiquer ce sujet de la BDSE qui est crucial en fin d'année. Et on se dit à très vite. Merci. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée.